Salut les potos, ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube consacrée cette fois-ci épisode Farming Simulator en attendant le 22 comme d'habitude, hein, tout le monde attend le 22. Donc je voulais remercier hein, les personnes qui se sont encore abonnées, il y a quelques personnes. Alors moi ce qui me fait rire c'est que, ça fait rire franchement, c'est que les personnes ils s'abonnent, ils se désabonnent, ça s'abonne, ça se désabonne, voilà. Tout ça, bon, bah après, je suis pas youtubeur, hein, je fais ça pour mon plaisir. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, petit clip hein, que j'ai mis tout à l'heure, la X9. Alors logiquement, elle devrait être, bah elle est là, elle est arrivée la X9, regardez un peu. La X9, elle est ici avec la barre de coupe. Voilà, la barre de coupe de 13,70 m. Donc on va aller faire un tour après, dedans, elle est arrivée tout à l'heure. Hein. Là, on vient de finir de manger. À sortir de table et la X9 elle est ici tout simplement. On va même aller voir tout de suite. Donc continuez, voilà, continuez à vous abonner à la chaîne YouTube, mettez un pouce, un commentaire, ça fera toujours plaisir. Voilà, ah ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Alors il faut savoir que là je suis en direct sur trois trucs, un de mes groupes privés de farming et deux Twitch. Donc un Twitch que vous voyez là où c'est le Twitch normal, c'est un Twitch normal. Et l'autre Twitch avec l'autre portable que je filme juste à côté, c'est un Twitch privé tout simplement où il y a 274 personnes. Et là, bon, bah, il y a une personne. Donc voilà, donc je suis sur trois trucs, plus mon groupe farming privé où il y a 73 personnes. 74, 74 personnes. Donc voilà les potos, la X9 est arrivée. Oh, comme ça fait joli! Comme ça fait joli, comme ça fait joli. Regardez un peu. Superbe, superbe vidéo. Enfin, super vidéo, super photo. Ça fait joli comme ça. Donc voilà les potos, donc on va tout simplement s'atteler à faire descendre tout ça, déjà. Descendre tout ça, on va faire descendre tout ça et on va tout simplement aller faire du bah de la moisson. Hein. Alors, naturellement, je vais répondre hein, je suis avec le groupe plus Twitch, bah, l'autre Twitch. Je vais discuter comme ça au moins. Non, alors Cassandra, elle est louée la moissonneuse. Elle est louée, j'ai pas les moyens de l'acheter. On n'a pas les moyens de l'acheter encore. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de l'acheter. La barre de coupe aussi, la remorque du machin aussi, tout est loué. Hein. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens d'acheter la moissonneuse, vu qu'elle fait quasiment presque le double de la idéale. Elle fait quasiment le double de la idéale, donc voilà, on n'a pas les moyens. Alors, on va faire un champ de soja. Le champ de soja, il se trouve juste. En fait, c'est deux champs. Hein. Il y a deux champs gigantesques, juste derrière. Hop. Ouais, problème de connexion, problème de connexion. J'ai le hockey, moi. Problème de connexion, les poteaux. Hop, on rentre dedans. Voilà, nickel. Impeccable. Allez, hop, on recule, on regarde dans les rétros. Voilà.
Hop. Ah, il faut de la manœuvre, hein, il faut de la manœuvre. Hop. Donc, hop. Donc ça, le camion, on va le racler. Et on va le mettre à un endroit où ça gêne pas. Impeccable. On va mettre ça du côté là-bas, pas que ça gêne. On va foutre ça ici, comme ça gênera pas. Hop là. Nickel, impeccable. Allez, hop, les poupoules, les poupoules, les poupoules. Allez, on va donner à manger aux poupoules. Juste avant, c'est bon, hein, faut qu'ils mangent, hein, les poupoules, parce qu'autrement, ça va pas le faire. On va leur donner un seau. Et hop, on se remplit. Hop là. On se lève un peu quand même. Hop. Voilà, nickel. Hop. Hop là. Oh, je suis bourré. Wow. Wow. Allez, voilà, nickel. Nickel, impeccable, hop. Allez, les Big Bag là, bon, ça, on peut les laisser là pour l'instant. Ce que je voulais faire, c'était ça. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ah bah, c'est vous! Eh, c'est vous hein, qui avez dit, ouais, achète la X9. Acheter, non, je peux pas l'acheter, les gars. Hein, ça, c'est clair que je ne peux pas l'acheter. J'ai pas les moyens. J'ai. Hein? Si, je peux acheter. J'ai 900, 900, 921 000 euros. Mais bon, si je l'achète, j'ai plus de sous après. Hein. Si je l'achète, j'ai plus de sous. Donc, je préfère la louer pour l'instant. Et après, on verra bien. Quand on aura les moyens, on pourra lâcher. Pour l'instant, on la loue. C'est déjà pas mal. Pour l'instant, on la loue. C'est déjà pas mal. Allez, hop. Allez, c'est parti, mon kiki. C'est parti, mon coco. C'est parti, mon coteau. Mon poteau. Comme dirait. Le Savoyard avec le Papa Mendès. Ouais, des fois j'arrive. Ouais, c'est dommage hein, qu'il n'y a pas de. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas une caméra de recul sur la moissonneuse. En fait, je sais même pas s'il y en a une. Alors sur PC, je crois que. Il faudra que je regarde. Il va falloir que je. On va passer par là. On va passer par là. Il faudra que je regarde. Je pense que sur PC, on a les moissonneuses avec des caméras de recul. Faudra que je regarde. En silage, oui. Les ensileuses, oui. Mais alors, moissonneuse. Moissonneuse, ça j'en sais rien du tout. Hop. Allez hop, on va mettre ça. Bien se positionner, pas comme une brêle. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va
déployer les rabatteurs. Beaucoup ne le font pas, ça. Heureusement que nous, on le fait en vrai, parce que si on rabattrait pas les rabatteurs, ça va rien. Hein. Pas vous cacher. Ah, ça, c'est les bottes d'ensilage, hein. Faudra que je les range. Faudra qu'on les range. Alors, la parcelle, elle est ici, les poteaux. On va regarder un peu la parcelle, je vais vous la montrer. Voilà un peu. Voilà un peu la parcelle qu'on a à faire. Alors, c'est pas une petite parcelle, hein. Elle est pas mal déjà. Voilà un peu à quoi ça ressemble, la parcelle. C'est une belle parcelle quand même, hein. Hein, c'est pas. Voilà, c'est une belle parcelle, hein. Il y a du taf, hein. Comparé à la moissonneuse, elle est toute petite. Et il y a du taf. Là, il y a des heures de travail. Il y a des heures de boulot dedans. On va se mettre un petit peu de zik. Ouais. Bah tiens, on va parler un petit peu de farming. Là, parlez-moi un petit peu de farming. Alors, on va pas mettre de zik. Parlez-moi un petit peu de farming sur le groupe et sur l'autre Twitch. Dites-moi un peu vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez de Farming 22? Qu'est-ce que vous aimeriez bien voir sur, sur le 22? Dites-moi en plus, les potos. Allez, c'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon poteau. C'est parti, mon cogno. Ah bah là il a pour plus d'une heure, hein. Là il a pour 1h30, 2h, hein, sans problème. Hein. Là il y a du taf, hein. Là il y a du taf, les poteaux. Alors, deux petites secondes, ouais, j'allais faire ce... Hop là. Voilà, nickel. Ok, ok. Alors, ouais. Alors, c'est bien d'en parler. C'est très très bien d'en parler parce que quand on va travailler dans les champs. Donc on aura des pierres, hein, on aura des pierres qui vont remonter. Et en fait les pierres, il faudra les enlever en fait. Voilà. Alors naturellement, on en connaît qui vont pas les enlever, hein, sans battre les couilles. Mais pour faire beaucoup plus réel, ça fera une tâche en plus, ça fera du travail en plus. Oui, certes, ça fera du travail en plus. Mais si tu ne les enlèves pas, eh bien le matériel s'esquintera beaucoup plus vite. Ah, tout simplement, si tu n'enlèves pas les pierres, le matériel s'esquintera et s'usera beaucoup plus vite. Alors, dans un sens, tu les enlèves pas, ton matériel va s'user beaucoup plus vite, ça va te foutre dans la merde, et avec ça, tu vas devoir ensuite réparer ton appareil, réparer ton matériel plutôt, ça va te coûter de l'argent, d'accord ? Tout en ne ramassant pas les pierres. Par contre, si les personnes qui ramasseront les pierres, là, ils vont pouvoir se faire de l'argent. Parce qu'apparemment, d'après Zero, on pourra faire de la chaux et de la poussière pour mettre sur les champs. Donc, si tu fais ça, eh bien, ça, tu répares, tu ramasses tes pierres, et ça te fait gagner des sous. Voilà. Alors, généralement, tu vas pas gagner grand-chose, hein. On va pas gagner BZF, mais ça va faire des sous quand même. Donc c'est mieux que rien. Ah, les tracteurs, non, mais ça va à la ferme. On les prendra après. C'est mieux que rien. Alors, ouais, il va y avoir des petites biches qui vont se balader. Alors, après, est-ce qu'il y en aura un petit peu partout est-ce qu'il y en aura un petit peu partout? Alors ça, on ne sait pas. Alors, il y a un truc vraiment qui est bien, franchement, c'est les habits. Franchement, les habits, c'est top du top. Franchement, là, ils ont fait fort. Parce qu'on va pouvoir choisir ce qu'on veut, la moustache, les vêtements. Franchement, c'est vraiment top du top. C'est vraiment top du top.
Et ça, pour faire des réels, moi j'aime pas le terme RP ou roleplay, je vais rien dire, hein, c'est pas français. Voilà, quand on fera du réel, et bien on pourra tout simplement, on pourra travailler avec des superbes trucs. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que est-ce que, parce que ça c'est toujours pareil, quand tu rentres dans le jeu, bon, quand on va rentrer dans le Farming 22, tu vas t'habiller, d'accord? Tu vas mettre plutôt une combinaison John Deere. Ok? Est-ce que tu pourras changer de combinaison dans la partie? Ou alors il faudra que tu sortes. Parce que ce qui serait bien, c'est que tu te mets en combinaison John Deere avec un chapeau de cowboy. Mais si admettons tu vas aller, je sais pas moi, tu fais un réel et puis tu vas aller faire des courses, tu t'habilles bien, tu mets un jean, un t-shirt. Est-ce qu'on pourra se changer dans la partie? Ça c'est une base. Attention, il y a la trémie qui va bip bip bip, vous avez entendu? Est-ce qu'on pourra se changer dans la partie, quoi? Ça serait vraiment, mais vraiment bien. C'est vraiment bien. Parce que quand tu vas faire le mode printemps, tous les machins, tu vas mettre des gros pulls, tu vas mettre une grosse doudoune, voilà. Mais après, si on peut changer et mettre les affaires, on peut changer les affaires quand on veut, franchement, ça serait top. Ne pas, oui, ne pas sortir, rentrer, voilà. Ça serait un peu débile, tu vois. Du soja. Alors, on va se faire un petit peu d'argent quand même, hein, parce que bon, il est fertilisé à 50. Ça sera toujours mieux que rien. Hein. Alors ça aussi c'est intéressant de voir, parce que voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que, alors je parle pas pour ceux qui sont sur PC, mais ceux qui sont sur console, est-ce que Giant et les modeurs vont leur casser les couilles en fait? Oui, il y aura beaucoup plus de place, il y aura beaucoup plus de bots, mais est-ce que dans un sens, ils vont pas se faire quand même niquer? Ils vont dire, on leur fait ça au début, mais après on va les niquer sur autre chose. Voilà. Alors, la première chose que tu regardes sur le 22. Alors, moi, la première chose que j'ai regardée déjà sur le 22, alors pas sur PC, parce que sur PC ça fonctionne, les gyrophares. Première chose que je vais regarder déjà tout de suite, c'est les gyrophares. S'ils ont mis les gyrophares avec reflet sur console. Alors, Zero a dit, ouais, il y aura les gyrophares avec reflet sur console. Parce que, faut pas se mentir, les gyrophares avec reflet, c'est le top, quoi. Surtout le matin, quand il fait noir et que tu vas t'occuper des animaux, putain, tu mets les gyrophares, c'est un truc de malade, c'est un truc de ouf, quoi. C'est magnifique. Donc après logiquement, d'après Zero, comme il a dit, les gyrophares devraient se mettre sur les consoles, enfin, tout simplement. Ah, ça j'espère. Non mais ça c'est systématique. Dès qu'ils savent que je sors une vidéo, ils mettent un pouce en bas. Voilà. Mais ils sont. Mais c'est. Ce n'est que de la jalousie. Parce qu'ils sont incapables. Alors je dis pas qu'ils sont incapables. Mais pourquoi ils me montrent pas? Parce que, voilà. Ils mettent un pouce en bas parce qu'ils nous aiment pas. Tout simplement. Ils disent ouais, on va le faire chier, ils mettent un pouce en bas. Mais ils ont aucun argument, hein. Ils ont aucun argument. Dès que la vidéo sort, ils mettent un pouce en bas. Ils ne regardent même pas la vidéo. Ils ne regardent même pas la vidéo. Tu cuis un œuf, ils vont mettre un pouce en bas. Tu manges un casse-croûte,
ils vont te mettre un pouce en bas. Voilà. Ils vont te... n'importe quoi ce qu'ils vont faire, ils vont te mettre un pouce en bas. Voilà. Tu vas donner le biberon à ta fille. Voilà, je vais donner un biberon à ma fille, ils vont mettre un pouce en bas. Tu vas cueillir une fleur, ils vont mettre un pouce en bas. Ce n'est que de la jalousie. Que de la jalousie, ça. Ce n'est que de la jalousie. Mais quand on est con, c'est pour la vie, hein. Ah mais c'est des gamins, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gamins? Qu'est-ce que tu veux faire avec des trucs pareils? Tu veux faire quoi? Tu feras rien. Tu feras que là, quoi. Tu feras que dalle, que dalle, que dalle. Bah ouais, t'as tout compris. Mais après, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire, de toute façon. Mais c'est que de la jalousie, hein. Que de la jalousie, que de la jalousie. Ce n'est que de la jalousie, malheureusement. Ouais, c'est mieux, ça. Ce n'est que de la jalousie. Ce n'est que de la jalousie. Non mais ça sera toujours pareil de toute façon. Hop là, allez, c'est parti! On continue! Ah bah ça, tu pourras jamais y changer. Hein. Ça, c'est ça. Ça. Non mais c'est systématique, systématique. Tu fais un truc, ils mettront un pouce en bas. Ah, ouais, c'est des cons, voilà, tout simplement. C'est soit des gosses ou des machins, hein, c'est... Bah au lieu de mettre ça, bah qu'ils fassent ce qu'on fait, qu'ils aient les couilles de montrer. C'est simple que ça. Qu'ils montrent quelque chose, quoi. Mais ça, ils ne le feront pas, faut pas rêver, hein. Faut pas rêver, hein. Faut pas rêver. Alors, je dis pas qu'on est les meilleurs. On est très très loin, qu'on n'est pas tout le monde dans le monde, hein. Mais contrairement à tous les youtubeurs qu'on connaît, là, bah, il n'y a personne qui fait ce qu'on fait, hein. Personne, hein. Personne. C'est quand tu vois déjà leur ferme, peur. Mais encore, c'est rien. C'est rien, ça. Ceux qui sont abonnés à la chaîne privée YouTube, là, ils comprennent ce que c'est. Parce que là, là, ce qu'on fait, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Sérieux, c'est de la rigolade, là, qu'on fait. C'est sur la chaîne YouTube privée quand on est sur PC. Non mais on montre ça, bah déjà on montre, hein, parce que c'est sur l'autre chaîne. Mais les personnes ils deviennent dingues, ils se disent oh putain mais comment vous faites pour faire ça? C'est un truc de malade. Un truc de fou. Bah ouais mais bon, ça t'y peux rien, c'est comme ça. T'y peux rien, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah tu feras rien du tout, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bah il faut de tout pour faire un monde, comme tu dis. Soja.
Sosa Sons. Tu m'étonnes. Ah ouais, mais ça ferait rire, quoi. Ouais, y a du rendement, il y a 50%, ça va. Après, je pense qu'on va quand même se faire de la thune avec le temps. Hein. Il y aura des sous. Et encore, hein. Ouais, mais ça. Ça, on peut rien y faire, de toute façon. On pourrait faire des choses, ça serait bien, mais. Ouais, samedi, les deux clubs jouent à Aubange, à la maison. On joue à Aubange, à la maison, samedi. Ça, c'est la surprise. C'est la surprise. Bon, après, tu sais, vous savez, c'est pas. Moi, ça m'importe peu, tu sais. Qu'on fasse des choses comme ça, ou qu'on fasse des choses autrement. C'est pas ça qui va m'empêcher de dormir, hein, du cash, hein. C'est vrai que c'est dommage, c'est tellement dommage que s'ils auraient mis vraiment de la vraie pluie avec de la boue, mais vraiment les machins réels, vous imaginez un peu le jeu que ça pourrait être, ça pourrait être le meilleur jeu du monde. Mais faut pas rêver, quoi. Ah, peut-être qu'un jour on les aura, hein, mais bon. C'est bon, c'est vrai. Bah, c'est ce que je disais. Les créateurs du jeu de Formule 1, bah, c'est eux qu'il faudrait qu'ils fassent le farming, quoi. Comme ça, ils nous mettraient vraiment de la pluie. Dans les jeux de stock-car avec les voitures, t'as les trucs qui se cassent, t'as les briques, tous les machins. Ça aussi, ça serait pas malin, un mode où les véhicules, tu tapes un poteau, mettons, ou tu rentres dans